Hey, bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle découverte. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Arms. Bon, écoute, c'est pas grave, on va revenir à ce mode, voilà, un joueur. Donc, on a le choix entre Springman, Rainbow Girl, Ninjara, Master Mummy, Min Min. Alors, elle est pas disponible, par contre, Twitel, d'accord. Il n'y a pas beaucoup de choix de bonhomme dans le jeu de base, on dirait. Bon, on va utiliser Ninjara, tiens. On teste comme ça ce que ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Donc on peut jouer en fait à plusieurs modes. Donc là c'est l'entraînement, d'accord. Qu'est-ce que tu veux? L pour vous déplacer, d'accord, ça c'est bon. Y pour esquiver. D'accord. X pour sauter. Oh putain, par contre le saut est bizarre. Enfin, j'ai pas l'habitude qu'il soit sur là-haut. Pour utiliser une arme, appuie sur B ou A. Incliné pour changer de trajectoire vos armes. Ah d'accord, ouais d'accord, c'est technique. En fait, on peut feinter et partir comme ça, vous avez. Yeah, c'était stratégique ça. Appuyez sur B et A pour attraper votre adversaire. Bon, ça c'est une technique de péter ça. Maintenez pour vous mettre en garde, d'accord. On doit le battre. Alors, moi les jeux de combat je spam. Oh, ce qu'on lui a mis dans la poire. Ah non, passage de ça, please. Affûtez vos sens, le Grand Prix Arms va commencer. Je serai votre hôte et votre guide tout au long de ce tournoi. Mon nom est Globule. D'accord. Donc là, le roi de la discipline, l'apprenti ninja, alors qu'il est... Ah ouais, d'accord, il y a carrément toute une présentation du personnage. Hein, ça rappelle vraiment les matchs 1, les jeux de boxe. Alors, je vais me battre contre Miss Anto, d'accord. D'accord, on peut déjà taper... D'accord, c'est spécial comme truc. Ah d'accord, je peux choisir... Ah, on peut choisir ses armes, d'accord. Ouh. Ah, je me suis fait allumer là. J'ai pas vu venir. Voilà, par contre... Allez, viens là, mon coco. KO sur une fatality. Oh, on voit le finish et tout. Ça, c'est trop bien. Je kiffe quand c'est comme ça. Alors, ouais, bah, je vais rester sur ça, moi, en fait. Hein. J'ai bien aimé. Alors, round 2. Par contre, tes tapis, mon gars, tu te les gardes. Voilà. C'est quoi ces barbes à papa qu'il a dans sur les mains, lui? Eh, mais...
Moi aussi, j'avais activé le mien. On a eu la même idée. Ouais, là, je le spam un petit peu, non, vous croyez? Ouf, on l'a mis quand même KO, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour ma vie. Mais on l'a eu dans le buffet. Dans le buffet! Vous avez gagné un badge. Cool, j'ai gagné un badge. C'est quoi ce flobber là? La créature élastique. Ça commence fort pour mon personnage, les amis. Bon, tu sens quand même que c'est l'IA. Parce que là, il bouge pas vraiment, le mec, hein. Encore un peu, on fait un sans faute, là, les amis. Voilà, le sans faute, le parfait. Le parfait. Ah voilà, parfait, je vous l'avais dit. Alors, franchement, facile à prendre en main, ce jeu. On va voir si il réagit pareil ou pas. Oula, oula, oula. Il me fait des trucs chelous. Alors là, il se défend. Le flobber se défend, les amis. Il se défend seulement maintenant, mais... Oh, je l'enchaîne. Le pauvre. Ah, parfait numéro 2. Purée. Et je tiens à le dire, j'y ai jamais joué. Bon, c'est que des IA en même temps, hein, vous allez me dire. Ça dure combien de temps un grand prix en fait? Merci d'avoir joué. Ah bah c'est, je crois que c'est fini. Ok, bah en tout cas les amis, c'est ici qu'on va se quitter. Alors c'était franchement pas mal. Je trouve que c'est bien dynamique et tout. Ça me laisserait peut-être tenter de l'acheter. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que... ça m'a plu, ça m'a plu. Ce dynamisme m'a plu. Les deux parfaits m'ont plu, même si c'est des IA. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes. Et surtout, portez-vous bien, sous-soul.